circonstances. Est-ce qu'il y a une tendance, Laurent, une spécialisation, concours général, est-ce qu'il faut travailler dans une direction particulière? Tout le problème de la gym, c'est qu'effectivement, pour être qualifié aux Jeux Olympiques, par équipe, il faut une équipe. Il faut donc que les gymnastes puissent travailler sur le maximum d'agrès pour composer cette équipe, pour pouvoir se qualifier. Et dans la préparation finale de celle des Jeux Olympiques, bien souvent, les équipes, une fois qu'elles sont qualifiées, privilégient la spécialité pour obtenir une médaille. Et oui, c'est toujours compliqué. Ding Xiao, c'est un des très très grands. Allez, lui peut-être peut oui, remettre la Chine sur de bons rails. En tout cas, c'est bien parti. Je crois que vous avez vu la différence au niveau de l'alignement de son corps, la hauteur de ses appuis, du rythme qu'il met dans son mouvement. Et champion du monde en titre, hein, à cet agrès. Ouais, c'est l'un des rares à avoir battu Marius Urzica. Oh là 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 là. Regardez un peu les cercles Thomas. L'amplitude qu'il met. Ici les fameux ciseaux demi-tour. Et c'est reparti. La deuxième partie du mouvement, les balades. Aucun déséquilibre pour l'instant et la sortie, c'est impeccable. Ah ouais, Ding Xiao, voilà, qui va redonner le sourire à l'équipe chinoise. Grand champion, je vous l'ai dit, sacré champion du monde 2005 au cheval d'Arçon. Il est toujours dans l'allure. C'est d'ailleurs lui qui a réussi le meilleur total lors des qualifs, 16-175. C'est le seul à avoir dépassé les 16 en qualification. Regardez ça. Et là encore, on va lui donner 16, non, Benoît? Oh, facilement, oui. Allez, moi je dis 16-20, 16-30. Impressionnant, l'amplitude ici. Regardez les demi-boucles, l'écart des jambes. On voit ça sous un autre angle. À noter, hein, la précision des appuis, l'importance des poses de main.